Toi aussi. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur la route de la quatrième étape de l'Alpes-Isère Tour. On va commencer à monter en altitude, monter en puissance, augmenter le dénivelé positif à l'occasion de cette quatrième étape. Les coureurs se sont élancés il y a bientôt 2 heures. On a quitté tout à l'heure Saint-Maurice-l'Exil pour rejoindre Roussillon, distance réelle 5 km. Distance de course 149, c'est ce qui attend les coureurs, des coureurs qui sont partis fort, un petit peu comme les autres jours d'ailleurs, et avec une échappée de 7 concurrents. On va vous donner d'ores et déjà la composition, ils ont 3 minutes 50 d'avance. On retrouve à l'avant 3 coureurs amateurs, Mathis Lebeau pour Charvet-Chavannes-Usère Cyclisme, Victor Jean pour le vélo club Villefranche-Beaujolais, Julien Marin pour le team Hexagone Corbalion Métropole. On retrouve également Vincentero Rasnavanjo, le chilien de l'équipe italienne VF Group Bardiani, Vincent Baudet Robédonde pour la team DSM Firmenich Development. Alexter McKellar vient compléter ce collectif, l'Australien de l'équipe Huggins Berman Jayco, 7 coureurs en tête. Il reste encore un bon bout de chemin à parcourir, largement le temps de saluer Jean-Claude Noyer. Bonjour. Bonjour et bienvenue donc sur les routes de l'Alpes-Isère Tour, quatrième et avant-dernière étape. Une étape de pratiquement 150 km, comme on le disait tout à l'heure, entre Bièvre et Rhône, la communauté de communes et les Champs-Marans. On va effectivement s'apercevoir que les routes des Champs-Marans ne sont pas toujours plates, mais on va retrouver donc de belles routes larges sous un soleil particulièrement agréable. C'est vrai que le mois de mai a été assez pluvieux et aujourd'hui eh bien, on retrouve un chaud soleil. Ça fait plaisir de retrouver effectivement de telles conditions de course, des conditions idéales bien sûr pour la fin de cette étape. Il nous reste les Lions. 5 km d'ascension, une ascension qui doit être celle de Tout-Or. Maintenant, le sommet de la Croix de Tout-Or, ce sera le point culminant de la journée, un peu plus de 700 mètres d'altitude. Plus importante difficulté également répertoriée puisqu'elle est en deuxième catégorie. On a déjà passé la côte de Plan, le col Lachard, on s'oriente vers le point culminant de l'étape dont le sommet sera situé à 63 km de l'arrivée. 3 minutes 50 d'avance pour cette échappée. Et à l'avant, un garçon qui veut revenir à hauteur du leadership pour le maillot de la montagne, c'est Victor Jean. Il porte aujourd'hui le maillot rouge du classement de la combativité dont il est deuxième. Il le porte par procuration puisque le leader c'est Artiem Schmidt, leader de la montagne et leader de la combativité. Mais Victor Jean, eh bien aujourd'hui c'est le jour pour aller faire le plein de points et peut-être aller chercher à nouveau ce maillot de meilleur grimpeur. Mais en tout cas, le coureur du vélo club Villefranche-Beaujolais avait affirmé ses intentions hier soir dans son hôtel. Il avait clairement dit qu'il souhaitait faire partie de cette échappée matinale. Et bien effectivement, il confirme qu'il est en très belle condition physique et qu'il peut marquer des points précieux dans cette quatrième et avant-dernière étape de l'Alpes-Isère Tour. Victor Jean, donc l'un des piliers du vélo-club de Villefranche-Beaujolais, avec des garçons comme Théo Thomas, comme Antoine Rogel, Tao Kéméré et puis Maxime Richard, voire Simon Robin. Du côté de la montagne, justement, Victor Jean, pour l'instant, a fait le plein sur les deux premières ascensions, lui permettant d'aller chercher 6 points à chaque fois. Déjà 12 de plus à son actif aujourd'hui. Passé en tête du côté de la côte de Plan et du côté du col Lachard. Ce qui, pour l'instant, lui permet de grappiller, de revenir donc à 6 points du côté du classement du meilleur grimpeur. 6 points de retard sur Artiem Schmidt. Voilà pour l'instant les positions. Artiem Schmidt qui est resté, lui, aujourd'hui, sagement dans le peloton. Peloton qui semblait perdre déjà quelques unités puisqu'on nous a annoncé des difficultés du côté de Gaspard André pour la sélection Vernon-Nab, d'Henri Van Den Abele pour la Lotto Destiny. Même Joshua Golliker faisait un petit peu la fermeture du peloton, lui qui était à l'avant hier, pourtant à l'aise dans la montagne. Et bien comme quoi aujourd'hui cela s'annonce une étape dantesque. L'année dernière, elle avait fait beaucoup de dégâts. Il y avait
encore plus des difficultés. Une ascension classée première catégorie. Là, on a un petit peu réhumanisé cette quatrième étape. Ne pas y avoir trop d'écart, mais pour autant, il y a un terrain d'expression qui est un joli terrain de jeu. Jean-Claude, on y retrouve le profil. Oui, tout à fait. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que les organisateurs ont voulu concentrer les difficultés donc plutôt vers le milieu de l'étape, voire quelquefois la fin de l'étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, avec le sommet de Touzeur, donc classé en deuxième catégorie, tout près de Roibon, effectivement, on est à, disons, à une distance de 3 km de la ligne d'arrivée et quelques 9 km avant la ligne d'arrivée tracée à Roussillon, il y a ce carrefour de l'arbre qu'on va découvrir une nouvelle fois, donc qui peut être aussi un joli juge de paix. En tout cas, pour l'instant, donc ascension col de Touzeur, il y a vraiment de très très belles routes, Lilian. Hein. C'est vraiment magnifique, le revêtement est excellent. Et on s'aperçoit qu'effectivement, alors que nous sommes dans les derniers kilomètres de l'ascension de cette difficulté, je crois que c'est la troisième, il y en a six au total, deux côtes de quatrième catégorie, trois côtes de troisième catégorie et un col de deuxième catégorie, c'est celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, six côtes répertoriées. Lilian, tu disais tout à l'heure, et je crois que ça c'est une information très importante, très intéressante, au classement de la montagne, au départ de Saint-Maurice-l'Exil, donc Artem Schmidt comptait 40 points, Victor Jean 22 points, 22 et 12, 34. Donc Victor Jean, le coureur français du vélo club Villefranche-Beaujolais, fait un sacré rapproché dans ce classement donc de la montagne. Et oui, peut-être qu'au sommet de Touzeur, il peut envisager effectivement être leader virtuel, bien sûr. Tout leader à fait. Virtuel, je dis bien, de ce classement de la montagne. Alors, les deux hommes sont effectivement très nettement détachés avec Joshua Golliker, le coureur britannique, qui compte 20 points. Je crois que la montagne, il va se disputer en tout cas aujourd'hui avec ces trois coureurs-là, Artem Schmidt, Victor Jean, Joshua Golliker. Artem Schmidt n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Non, mais on le disait autant hier avec Victor Jean qu'on avait eu au micro qu'aujourd'hui avec Artem Schmidt. C'est compliqué de se porter à l'avant tous les jours, évidemment. Et Artem Schmidt a déjà fait deux échappées en ce début d'Alpizer Tour. Victor Jean était à l'avant sur la route de Saint-Savin l'autre jour, c'était jeudi. Donc hier, forcément, il avait besoin de récupérer un peu pour mieux repartir aujourd'hui. Et c'est bien vu parce qu'il aura un peu plus de points à prendre sur la route de cette quatrième étape. Au sommet du col de la Croix-Touzeur, il y aura 8 points au leader. C'est 8, 6, 4, 2 et 1 pour les 5 premiers qui passeront en tête. Et pour l'instant, donc, dans ce groupe, il n'y a pas grand monde non plus pour aller lui contester les points. On l'a vu passer en tête donc des deux premières ascensions. Et effectivement, du côté des autres garçons, on n'est pas forcément classé dans ce classement. Mathis Lebeau a 8 points. Il est en 5e position du classement du meilleur grimpeur. Ce qui serait intéressant aussi, donc, on parle souvent dans ces étapes des classements intermédiaires, la montagne en est un, c'est de savoir aussi au niveau des sprints qui effectivement a pu remporter. Je crois que le premier sprint était à Saint-Julien-d'Hermes, alors que là, on voit une foule très dense. Donc, dans l'ascension, là, donc, on prend la direction maintenant de la Croix de Touzeur, alors que là, on vient de passer le col de Touzeur. Au sommet de la Croix, oui, c'est sûr que Victor Jean peut effectivement revenir à égalité de points. Sur les sprints, Lilian. Sur les sprints intermédiaires, effectivement, tu l'as dit, Jean-Claude, information particulièrement intéressante. Parce que les trois premiers du côté du premier sprint, rappelle-nous, toi qui connais toutes les bonifications sur les sprints, c'est 3 secondes au premier, 2 secondes au deuxième et enfin donc une petite seconde au troisième. Et le premier sprint, c'était le sprint en or donc à Saint-Julien-de-l'Herme qui devait être au 32e kilomètre si ma mémoire est bonne. Eh bien, qui est passé en tête? Le cinquième du classement général, Martin Ciotta, devant le deuxième du classement général, Jarno Vidar, et devant le maillot jaune, Kylian Verschuren. Ça veut dire que tout à l'heure, avant la prise d'antenne, on s'est fait la peau entre les leaders du classement général, puisque vous voyez, Kylian Verschuren leader, Jarno Vidar n'est qu'à 2 secondes, Martin Ciotta est à 10 secondes. Ce sont les hommes forts
de l'Alpizer Tour qui sont allés chercher, grappiller la moindre petite seconde du côté de Saint-Julien-de-Lerme. Oui, tout à fait. Donc vous avez le classement général provisoire, bien sûr, en ce qui concerne les 10 premiers à l'issue de l'étape 3. Toujours, donc bien sûr, Kylian Verschuren, Jarno Vidar à 2 petites secondes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, alors que nous nous parlons, il est 14h10, Jarno Vidar serait revenu dans les roues de Kylian Verschuren, puisqu'il a dû grappiller 2 petites secondes, Jarno Vidar. Et il était à 2 secondes au général de retard. Mais Verschuren en a pris une. Donc ça Verschuren veut dire en aurait pris une. Il est passé en troisième position. Ah oui, donc, quelle bagarre. Mais du coup, il n'y a plus qu'une seconde d'écart, effectivement, entre ces deux hommes. En ce qui concerne le deuxième sprint à la Côte-Saint-André, cette fois-ci, c'est l'échappé hein, qui s'est partagé les points et les bonifs avec le passage en tête d'Alester McKellar devant Julien Marin et Victor Jean, sans incidence pour l'instant ni sur les maillots distinctifs ni sur les bonifications. Mais effectivement, à cet instant, il n'y a plus qu'une seconde entre le leader Kylian Verschuren et le second Jarno Vidar. Ça, c'est intéressant. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, on veille au grain du côté de chez Decathlon et on ne laisse rien passer. Mais Jarno Vidar a quand même grappillé à 1 petite seconde. Et comme on sait que tout se joue à 1 seconde, c'est vrai que ça peut avoir son importance. Toujours dans le col de la Croix de Touzor avec le Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme là, qui essaye de ravitailler Mathis Lebeau. Nous sommes sur un col qui est long. Hein. Il y a 10 km d'ascension. C'est un col qui est assez roulant, somme toute. On le voit. Puisque c'est à 3,5% de moyenne en règle générale. Donc c'est un col qui est très 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 roulant sur un beau revêtement en plus, belle chaleur, pas de vent. Donc c'est des conditions, j'allais dire, idéales pour la pratique du vélo dans les champs barrants, puisque là on est rentré carrément dans le massif des champs barrants. On voit le panneau, la Lilian, donc qui indique les 500 derniers mètres. À 500 mètres, on va bientôt basculer, certainement assister au sprint. Maintenant, si toutefois on souhaitait aller contester la suprématie de Victor Jean dans ce classement de la montagne, et je te vois regarder la montre, puisqu'effectivement on va passer au sommet du col de la Croix Tutor sur l'allure moyenne, allez, 41-42 km/h de moyenne pour l'instant, au moment de basculer au point culminant. Ça veut dire qu'on va signer une jolie moyenne alors même qu'on est au sommet de l'étape. Et donc logiquement, là donc, Victor Jean doit veiller au grain. Hein. C'est sûr que le représentant du vélo club de Villefranche-Beaujolais donc, va effectivement essayer de grappiller des points précieux pour ce classement intermédiaire de la montagne. Meilleur grimpeur donc pour l'instant, je le rappelle, donc c'est toujours le coureur américain Artem Schmidt qui en est le leader. Et ça y est. On passe pour Victor Jean. Et derrière, on s'était positionné pour Anthony Baudis et même Vincent Baudet, je crois. Donc le passage en tête pour Victor Jean qui devient à cet instant virtuel maillot violet de leader. Voilà, il vient d'écramponner à Artem Schmidt. Eh bien, je vous propose peut-être d'écouter Artem Schmidt. On va le faire maintenant parce que pas sûr de le retrouver au protocole tout à l'heure. Artem Schmidt qui était donc leader du classement de la montagne au départ de l'étape. On va écouter ce qu'il nous disait à propos de ce maillot de leader. Ces jours précédents. Yesterday was the second time when you were in the breakaway. How do you recover after this hard stage? Comment t'as récupéré après ces différentes étapes? Yeah, definitely hard to recover after that. Just trying to focus on nutrition and sleep is the best way. Ah, il nous dit qu'effectivement, c'est pas évident de récupérer après ces dures étapes et que le plus important, c'est de faire des bonnes nuits. En tout cas, le soir. So you're wearing one jersey, but you're the leader of two jerseys, two classifications. What's your goal for today? To keep the Price Mountain jersey, to garder le maillot de meilleur grimpeur, ça va être l'objectif aujourd'hui. Yeah, I think it'll be pretty difficult to keep the jersey today because I think there'll be a lot of tax for the breakaway. But best way to keep the jersey is focus for tomorrow. Ah, il nous dit que ça risque d'être compliqué pour garder le maillot. Il s'attend à beaucoup d'attaques, beaucoup de volonté de prendre l'échappée, mais il va faire de son mieux en tout cas. Thank you very much, Artem. On remercie.
Artem Schmidt qui ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Donc au départ, pour conserver ce maillot, il savait que la mission allait être difficile. Nous, on attend de voir l'écart au sommet de la Croix de Tutor. L'échappée a basculé. On va tourner une très courte publicité avant de retrouver la descente et le peloton. Allez, le retour bientôt du peloton sur le sommet. Peloton toujours assez compact. On nous annonçait quelques éléments en difficulté, mais ce n'est pas une majorité. Voilà, pour l'instant, cette ascension reste roulante. On n'aura pas les mêmes dégâts que l'année dernière sur cette troisième étape. Et c'est peut-être pas plus mal pour les coureurs. Il y aura largement de quoi faire des écarts demain. Bon, pour autant, l'étape est loin d'être finie. On rappelle qu'il y a encore trois ascensions répertoriées, deux de quatrième catégorie, une de troisième catégorie. La prochaine va intervenir rapidement puisqu'à peine après avoir fini la descente, on s'orientera vers la côte de Roibon classée quatrième catégorie. Exactement, oui. Et au sommet de cette côte de Roibon classée quatrième catégorie, il restera un petit peu moins de 53 km pour rejoindre Roussillon. Une belle arrivée d'ailleurs, une belle ligne d'arrivée qui nous attend donc ici à Roussillon. Cette arrivée un petit peu originale, place de la République. C'est la première fois d'ailleurs que sur l'Alpe Isère Tour, je vois une arrivée sur une place. Il faut dire que la place est relativement grande. Oui, parce que quand on dit une place, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une route. Hein. On est vraiment sur, d'habitude, c'est le marché, c'est un parking, voilà. Et là, on est allé positionner cette ligne. On est en plein cœur de Roussillon. Et effectivement, on s'attend à une superbe arrivée tout à l'heure avec un écart ici annoncé de 4 minutes 15 et même 4:30 au sommet du Grand Prix de la Montagne. 4 minutes 30 d'avance au moment de la bascule pour la tête de course. À 62 km de l'arrivée, cela reste une situation assez intéressante puisqu'on a franchi les plus grosses difficultés aujourd'hui. C'est un groupe qui peut avoir ses chances. On va rappeler la composition d'ailleurs du groupe avec pour Hexagone Corbalion Métropole, Julien Marin, pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, Victor Jean, pour Charvieux Chavannes-Usère Cyclisme, Mathis Lebeau, pour l'équipe Hagens-Bermann, Salastar McKellar, pour la VF Group Bardiani, Vincente Roras, et deux coureurs pour le team DSM Firmenich Development, le Français Vincent Baudet et le Belge Robedont. Du côté du classement général, les mieux classés, on retrouve Vincent Baudet et Robedond qui sont à 1.04. Même chose pour Alastair McKellar. Pour les autres, on est un peu plus loin. Voilà, plus de 3 minutes 30. Donc sans incidence, même si l'écart est supérieur aux 4 minutes, mais pas d'inquiétude du côté des favoris. L'inquiétude, en revanche, elle pourrait venir de Vincent Baudet, Robedond ou encore Alastair McKellar. Exactement, oui. Ce qui est intéressant, c'est de constater que l'échappée a repris du temps dans l'ascension. C'est-à-dire que le peloton donc, a assuré un tempo dans cette ascension, mais ils ont quand même perdu entre
Dans les 5 derniers kilomètres, ils ont perdu près de 40 secondes sur cette échappée. C'est une information importante, ça veut dire que le peloton a assuré un tempo sans pour cela donc essayer de réduire l'écart. Il faut dire qu'il leur reste suffisamment de terrain pour le faire et pour revenir donc sur cette échappée. En tout cas, c'est un bel écart effectivement que les 7 hommes de tête ont pu creuser sur leur poursuivant immédiat. On nous signale là donc 4 minutes 15. On va rejoindre la localité de Roibon dans quelques hectomètres, dans quelques kilomètres avant d'entamer donc une autre ascension, celle de la côte du même nom, la côte de Roibon, donc, puis traverser la charmante petite ville de Viriville. Voilà donc des belles routes à Lilian. C'est vrai que on est dans ce merveilleux département de l'Isère. Extrêmement varié, hein. Je crois que l'Isère Tour le met bien en lumière. Après le Nord Isère que nous avons traversé les jours précédents, on est un peu plus au sud-ouest du département avec ses premiers contreforts, les premiers reliefs. Et puis demain, on vous rappelle la grande étape de montagne. On ira au cœur de la Chartreuse, donner le départ de Saint-Pierre-d'Entremont entre Isère et Savoie. On s'orientera ensuite vers le col du Cucheron, le col de Porte, le col de la Morte, le col d'Ornon, avant d'aborder la montée qu'on a appelée le Pas de la Confession, qui permet de rejoindre Uez, donc à 1542 mètres d'altitude. Ce sera le toit de l'Alpizère Tour édition 2024. Et on descendra ensuite les lacets, donc pas les 21, puisqu'on ne sera pas au sommet, mais on descendra les lacets de l'Alpe d'Huez pour rejoindre Bourg-d'Oisans, où sera jugée donc l'arrivée finale de cette 33e édition. Voilà, donc traversée de Roibon actuellement pour l'échapper. On disait tout à l'heure effectivement qu'on trouve des routes charmantes et agréables, j'allais dire champêtres et bucoliques en même temps. C'est vrai que le paysage qui nous est offert est vraiment très 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 sympathique. C'est effectivement un paysage typique des mois de mai, sachant que en cette saison on a eu quand même quelques pluies qui rendent encore le paysage beaucoup plus vert qu'il ne l'est à cette même époque. Voilà donc le virage qui permet au coureur de tête donc d'entamer l'ascension de cette côte de Roibon classée 4e catégorie. C'est une côte longue de 2 km 200 à 4,5% de moyenne. Autant dire que pour ces coureurs-là particulièrement affûtés, c'est une côte qui ne présente pas de grandes difficultés, qui a un intérêt tout de même. C'est pour Victor Jean de grappiller quelques points et donc d'accroître le leadership sur ce classement de la montagne. Oui, parce que demain va y en avoir des ascensions répertoriées avec deux ascensions de deuxième catégorie et deux ascensions de première catégorie. Donc Victor Jean, il a tout intérêt à prendre le maximum de points aujourd'hui pour se mettre à l'abri, puisque demain, il y aura 4 ascensions répertoriées. J'ai bien cité 5 cols tout à l'heure, mais seulement 4 répertoriées, puisque le col du Cucheron sera gravi pour 3 quarts en neutralisé. Ce sera le départ fictif, donc il n'y aura pas de pont au sommet. En tête de peloton, c'est l'équipe Arkea, BNB Hotel, qui assure le tempo. On les a vus déjà très présents à l'avant-hier, qui ont les 4e et 5e du classement général, Embret Vestat et Martin Ciotta. Et donc, on met les hommes à rouler. On a senti toute la volonté d'aller grappiller des secondes avec le sprint intermédiaire pour le Norvégien Martin Ciotta. Eh bien, voilà, c'est sans surprise qu'on retrouve cette équipe Arkea BNB Hotel présente sur tous les terrains, Jean-Claude. On a vu Josué Epis faire les sprints mercredi et hier en montant sur le podium. On a vu les Norvégiens se glisser dans le groupe des hommes forts jeudi. C'est une équipe qui fait honneur à son invitation. Oui, tout à fait. En tout cas, ils se sont fait piéger, mine de rien. Ils se sont fait piéger parce qu'ils ne sont pas présents dans l'échappée. Et ceci explique cela. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on les voit actuellement donc, en tête de peloton pour réduire l'écart. Mais on peut effectivement dire que, pour l'instant, la balle n'est pas trop dans leur camp, quoi. C'est vrai qu'ils vont avoir un gros effort à produire sur 30, peut-être 40 km pour essayer effectivement
d'une part de réduire l'écart, voire de revenir sur cette échappée qui leur a échappé. Et les 7 coureurs ne se posent pas de questions. On rappelle la présence de 3 formations amateurs dans cette échappée. Hexagone Corbalion Métropole, Vélo Club Villefranche Beaujolais et Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme. Mathis Lebeau qui était déjà l'un des premiers attaquants de la journée d'hier puisqu'il allait chercher le sprint en or au 15e kilomètre sur une étape qui n'avait strictement rien à voir. Et bien aujourd'hui, il a trouvé le bon coup de pédale également pour aborder les premiers contreforts montagneux du week-end. Voilà, et on aperçoit donc les assistants qui sont là donc pour assurer le ravitaillement dans la côte de Roibon. Et il y aura ensuite, donc dans 8 km, la zone de délestage des déchets, puisque c'est désormais obligatoire de créer ces zones. Donc c'est vertueux, on va dire. Effectivement, c'est une bonne image que donne le cyclisme aujourd'hui avec ces zones de collecte. Oui, puisque non seulement c'est obligatoire de les mettre en place, mais surtout il est interdit aux coureurs de lancer des déchets en dehors de ces zones. Exactement. Il y a même une attention particulière aux bidons. On va dire qu'il y a une tolérance si les bidons trouvent spectateurs tout de suite. Mais si on est au milieu de nulle part, eh bien interdiction de se débarrasser d'un bidon sous peine de sanction. Et quand on dit sanction, c'est amende. Cela dit, c'est vrai que je me souviens d'une étude qui avait été faite sur le Tour d'Italie. Et les organisateurs donc, du Tour d'Italie, alors je ne sais pas comment ils avaient pu mener à bien cette étude, avaient prouvé que 98% des bidons qui étaient jetés étaient récupérés par des collectionneurs. C'est vrai que les enfants notamment, alors là on vient de passer au sommet. Hein. On vient de passer le sommet, on n'a absolument pas contesté à Victor Jean son leadership. Il va donc continuer de creuser dans ce classement et puis également de revenir à niveau du côté de la combativité, puisqu'on rappelle que la combativité c'est un combiné entre les sprints intermédiaires et la montagne, pardon, et que dans ce classement, alors depuis le début de la semaine, je crois que c'est le même leader qui a à chaque fois le maillot de la montagne et le maillot de la combativité. Toujours est-il que pour l'instant, Victor Jean avait encore quelques points de retard hein, sur la combativité. Mais s'il continue sur cette lancée, il va vite revenir. Ouais, et je crois qu'il est en tout cas bien parti hein, pour ces deux classements intermédiaires. Donc je termine effectivement sur cette étude qui avait été faite sur le Tour d'Italie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont très, très friands des bidons des coureurs. Et les coureurs aussi se rendent très bien compte que lorsqu'il y a des enfants, on peut leur tendre ou leur jeter des bidons sans prendre de risques. Cela étant, c'est vrai que ce type d'épreuve donc, qui est classé UCI, eh bien, et tout simplement, les coureurs sont sanctionnés en France-Suisse. Et donc, ils ont des amendes à payer. En France-Suisse, on l'a vu avec le leader qui avait oublié son maillot jaune à l'hôtel. Eh bien, je crois qu'il a dû écoper d'une amende de 150 francs suisses. Et comme on sait que le franc suisse, aujourd'hui, c'est pratiquement l'euro. Donc, ça veut dire pratiquement une amende de 150 euros pour cette omission. C'était dommage quand on a un maillot jaune. Effectivement, non seulement de l'oublier, en plus de se retrouver avec une amende, mais c'est le règlement et c'est bien normal, le respect du maillot jaune, le respect des maillots distinctifs, qui est à la fois le respect de l'épreuve, le respect des partenaires de ces maillots. Et en parlant de maillot, qui vient pointer le bout de son nez en tête de peloton, et bien le maillot jaune de Kilian Verschuren. Ce qui sera intéressant, c'est de voir l'écart au sommet, donc de la côte de Roibon. Avec effectivement le sommet de la côte, Victor Jean qui est allé chercher les points. On rappelle hein, les différents maillots avec le maillot jaune de leader au classement général, le maillot rouge qui est celui de la combativité, le maillot vert du classement par points actuellement sur les épaules de Noah Hobbs, double vainqueur d'étape. Les sprinteuses intermédiaires, c'est Jordan Abetz qui avait ce maillot au départ. Le meilleur jeune est récompensé lui par un maillot blanc. C'est Yarno Vidar, le deuxième du général qui le porte aujourd'hui. Classement de la montagne sur les épaules d'Artiem Schwitz, maillot violet. A noter cette année la nouveauté avec un maillot orange qui est remis à chaque fois au vainqueur de l'étape. Un vainqueur d'étape qui porte ce maillot au protocole. Mais ça s'arrête là, pas de port de maillot sur l'étape le lendemain. Voilà, tout à fait. C'est une nouveauté d'ailleurs dans l'Alpe Isère Tour d'avoir pu créer effectivement ce maillot pour
le lauréat de l'étape du jour. Là, les coureurs donc dans la descente de cette côte de Roibon en direction de Viriville et Marcillole. Donc on va rejoindre dans quelques kilomètres effectivement le territoire de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Voilà le sommet ici donc pour le peloton. Donc apparemment 3 minutes et 25 secondes, c'est le retard du peloton. Il y avait 4:31 au pied, donc ça veut dire que l'écart s'est réduit d'une minute et 5 secondes. Ouais, sous l'impulsion des coureurs d'Arkea, BNB Hotel. Exactement, ouais. Arkea a fait un très très gros travail pour le maillot jaune, hein, franchement. c'est vrai que finalement l'équipe des 4G2R pour l'instant n'a qu'à faire de la patinette derrière. Bon, de la patinette à haut niveau, hein, mais quand même, c'est vrai qu'il se dispense pour l'instant des responsabilités de l'équipe leader au moment de revenir sur cette communauté de communes entre Bièvre et Rhône qui nous a accueillis pour le départ de Saint-Maurice-l'Exil, qui nous accueille à l'arrivée à Roussillon et entre Bièvre et Rhône, la communauté de communes qui est partenaire depuis plusieurs années, évidemment, de l'Alpizère Tour. Je vous propose d'écouter les représentants, représentantes, justement, de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône qui nous parlait de cette étape. Plaisir d'accueillir l'Alpizère Tour sur les terres de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. En 2024, notre communauté de communes renforce son partenariat avec ce bel événement en le subventionnant à hauteur de 30 000 euros. Une 34e édition de l'Alpizère Tour qui a une saveur toute particulière à l'occasion de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques dans notre pays. Les spectateurs de cette 4e étape auront le plaisir de voir s'élancer les cyclistes au départ de la commune de Saint-Maurice-l'Exil pour une course d'environ 150 km. Son parcours, qui s'achèvera à Roussillon, montrera toute la diversité de notre territoire, caractérisé par un subtil équilibre entre industrie et ruralité. À l'approche des beaux jours, les événements sportifs foisonnent sur notre territoire. Aussi, je voulais adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien au sein des associations. Ils font battre et vibrer notre territoire. Le 25 mai 2024, les coureurs vont nous offrir un grand spectacle. Notez la date. Cyclistes et amateurs, bonne course à tous. On se retrouve l'année prochaine sur les routes iséroises. Gilles Bonneton, vice-président en charge des sports sur notre territoire, l'ensemble des élus communautaires et moi-même vous souhaitent un beau moment festif et sportif. Eh bien, merci à Sylvie Desarnaud, présidente de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, avec une pensée évidemment très amicale pour Gilles Bonneton, son vice-président chargé des sports, qui était avec nous tout à l'heure au départ. On parlait d'équipe des 4G2R, les revoilà, qui font leur apparition en tête de peloton et mettent un petit peu la pression dans la descente. Descente au bas de laquelle arrive déjà l'échappée. Il reste 50 km, l'écart qui font 3 minutes 15 en la faveur des 7 coureurs de tête. Dans le peloton, c'est vrai que derrière, on n'amuse plus la galerie. Oui, peloton très étiré hein, dans la descente. Effectivement, la route est bonne. On a une route de belle qualité, large, des virages peu techniques et un beau temps qui prouve que la chaussée est sèche. Ça veut dire que on peut, je dirais, descendre ici à des vitesses supérieures à 70 km/h pour un peloton, mais sans prendre de risques. C'est la raison pour laquelle, effectivement, au niveau du peloton, on est en file indienne. Et c'est toujours préférable. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une descente. Au pied de la descente, vous le verrez, donc il y aura bien entendu un regroupement général. Le peloton donc se reformera au pied de cette descente de la côte de Roibon. Il nous reste, en ce qui concerne donc les classements intermédiaires, le sprint de Paget
au kilomètre 111, la côte de Pisieux au 122e kilomètre, classée elle en 4e catégorie, la côte du Carrefour de l'Arbre au kilomètre 140, côte classée en 3e catégorie. Alors, information importante, au sommet de cette côte donc du Carrefour de l'Arbre, il ne restera que 9 petits kilomètres. 9 petits kilomètres, c'est un petit peu le même style que Paris-Roubaix. Quand on est au Carrefour de l'Arbre sur Paris-Roubaix, on n'est pas loin du vélodrome de Roubaix. Là, on ne sera pas loin d'un vélodrome, non pas d'un vélodrome, mais d'une place. Et il restera seulement donc 9 kilomètres. C'est sympa d'avoir ce clin d'œil avec les grandes épreuves et que, effectivement, cette côte ait été appelée la côte du Carrefour de l'Arbre. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, il y a un arbre magnifique au sommet. Et ceci porte bien son nom. Oui. C'est une évidence. La côte du Carrefour de l'Arbre qui est, vous devez vous faire livrer du courrier à cet endroit, c'est la montée du village, tout simplement, la montée du village à Anjou. Voilà donc que l'on a rebaptisé cette côte du Carrefour de l'Arbre. Ce sera 1 km à 10%. Dernier petit mur avant de plonger sur Roussillon. Pour l'instant, on évolue sur des portions plus roulantes. Maintenant, après le passage de la côte de Roibon, on va aller disputer le sprint dans 9 km du côté de Pagé. Et en ce qui concerne les différents maillots distinctifs, Victor Jean n'est plus qu'à un petit point d'Artiem Schmidt pour la combativité. Il est déjà repassé devant du côté de la montagne, puisqu'avec tous les points accumulés, il a maintenant 6 points d'avance sur son dauphin américain. Du côté des sprints intermédiaires, en revanche, pas de changement à signaler. Jordan Abetz devrait toujours, s'il termine l'étape, être leader tout à l'heure, puisqu'il ne reste plus que 4 points à prendre aujourd'hui. Ce sera dans quelques kilomètres. Et que personne dans l'échappée n'est en mesure d'inquiéter Jordan Abetz. Ce qu'on peut dire, Lilian, aussi, c'est qu'avec actuellement donc, un peu plus de 3 minutes d'avance pour l'échappée, bah, disons qu'ils ont la possibilité de s'offrir le sprint de Pagé et la côte de Pisieux, je dirais, sans grande difficulté. Hein. Par contre, pour le Carrefour de l'Arbre, à 9 km de l'arrivée, je pense qu'on en reparlera. c'est pas gagné. Cela étant, là, pour ces deux prochaines... ces deux classements intermédiaires prochains, effectivement, là, ils ont la possibilité, les uns comme les autres, bien sûr, au sein de cette échappée, de grappiller de précieux points et de pouvoir endosser donc les maillots récompensant ces classements intermédiaires, de pouvoir les porter donc à l'arrivée de cette étape ici à Roussillon. Oui, une arrivée à prévoir d'ici 1h10, 1h15 un maximum maintenant, puisqu'il ne reste plus que 45 km avec des ascensions effectivement qui seront moins longues que celles que les coureurs ont affrontées jusqu'ici. Et le train de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui s'est mis en marche. On rappelle qu'on retrouve parmi les hommes forts de cette équipe, donc le maillot jaune Kylian Verschuren, Tom Denenvers, ne l'oublions pas, qui était donc aux avant-postes sur la route de Saint-Savin aux côtés de son leader, qui a déjà participé cette année au Tour des Alpes. Il avait été promu avec la World Team, il avait signé même un top 10 d'une étape. Et puis, donc Kylian Verschuren, Tom Denenvers et évidemment Noé Isidore, le champion de France Espoir, 7e de l'étape de Saint-Savin, vainqueur à Four l'année dernière déjà sur l'Alpe Isère Tour. Oui, on peut dire que Decathlon, que la formation donc Decathlon à G2R La Mondiale a pratiquement 3 cartouches. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel comme situation. 3 cartouches, j'allais dire, pour Decathlon. Je dirais aussi que pour Arkea BNB Hotel, il y a 2 cartouches avec les deux coureurs norvégiens, donc Martin Ciotta et Endret Svestad, donc qui sont 4e et 5e. Pour la Lotto Destiny, donc il y a une véritable cartouche chez Yarno Vidar, mais ça fait déjà 3 plus 2 plus 1, donc ça fait déjà 6 leaders potentiels, ce qui est quand même pas mal, et je pense que c'est les 3 équipes à surveiller. Ouais, c'est ce qu'on avait dit jeudi à Saint-Savin, c'est que cette édition se démarque des autres dans la mesure où déjà jeudi, déjà au terme de la deuxième étape, on avait les principaux favoris du classement général qui étaient déjà en place
installé dans les premières positions avec effectivement le maillot jaune Kylian Verschuren, mais surtout Martin Ciotta, Emre Cvijetan. Martin Ciotta, on rappelle qu'il avait terminé 4e du classement général l'année dernière. Jarno Vidar, sans surprise, alors lui qui sort juste des rangs juniors où il a performé avec 14 victoires de niveau national et international, remportant notamment la Classique des Alpes juniors, dont la nouvelle édition se tiendra la semaine prochaine aussi, mais d'abord la semaine prochaine pour la Classique des Alpes juniors qui cherchera le successeur de Jarno Vidar. En tout cas, ces garçons étaient déjà à l'avant jeudi et aujourd'hui comme demain. Un homme qu'on a hâte de voir évoluer également au plus haut niveau, ce sera Victor Guernalec. Impressionnant jeudi aux côtés des équipes continentales, le leader de la formation Bourg-en-Bresse en cyclisme. Hier, pas inquiété, on ne l'a pas vu du tout, il est resté bien sagement dans le peloton. Il s'est fait discret, on verra aujourd'hui et dimanche donc comment il peut tenir le rythme des équipes Conti. Oui, c'est sûr, hein, Victor Guernalec, il est impressionnant lui aussi de facilité. Moi, le coureur qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Jarno Vidar, hein, le jeune coureur belge de la Lotto Destiny. Rappelons-le, donc deuxième actuellement au général, alors que le sprint va avoir lieu dans un peu moins maintenant de 2 km. Jarno Vidar, on le voit gagner l'année dernière donc la Classique des Alpes junior. Et aujourd'hui, donc, il est dans une course UCI classée en 2.2 avec quand même pas mal d'équipes, deux équipes Pro Tour et je crois 16 équipes Conti. Franchement, pour moi, c'est le coureur qui m'étonne le plus. Je ne veux pas dire par là que c'est un garçon qui va remporter l'Alpes-Isère Tour. Bien qu'il doit l'avoir dans un coin de la tête. Mais je pense que tôt ou tard, effectivement, il fera parler de lui parce qu'il a vraiment une progression qui est en tout cas pour moi est véritablement exceptionnelle. Il nous rappelle un Romain Grégoire qu'on avait vu aux commandes il y a 2 ans hein, sur l'Alpes-Isère Tour. Là aussi, il sortait juste des rangs juniors où il avait été champion de France, champion d'Europe, et puis ici avec Jarno Vidar cette fois-ci qui lui aussi a seulement 18 ans. Et que l'on retrouve effectivement dans les premières positions. Oui, Romain Grégoire qui avait terminé deuxième, donc à 2 secondes du vainqueur de l'Alpes-Isère Tour. Et Romain Grégoire, on le voit aujourd'hui, donc il a effectivement réalisé des prouesses dans des équipes World Tour et dans des épreuves donc de World Tour. Franchement, on a la chance aujourd'hui d'avoir une jeune génération assez étonnante. Est-ce qu'on peut dire que le cyclisme se rapproche des sports rois tels que le foot actuellement? C'est possible. On voit que les coureurs sont de plus en plus jeunes. Alors, il est certain que les efforts fournis ne sont pas du tout les mêmes, bien entendu, les carrières non plus. Qu'est-ce que ça peut donner dans une dizaine d'années? C'est toute la question. Et il faudra attendre, je pense, encore quelques temps pour se rendre compte, effectivement, de l'évolution, j'allais dire, de ces garçons, comme d'ailleurs des filles, hein, entre parenthèses, ne les oublions pas non plus. C'est vrai qu'on les découvre, elles aussi, de plus en plus jeunes. Au sein des World Team. Et en parlant et des jeunes et des féminines, eh bien on va rappeler les deux rendez-vous de la semaine prochaine également avec les organisateurs du Cotny. Juste le temps de disputer le sprint. C'est Alistair McKellar non, qui fait deux, puisque à l'avant, ce sera pour Robedont, je crois, de la DSM devant McKellar, qui vient empocher la bonif et surtout les points. Je disais donc les deux rendez-vous de la semaine prochaine. Samedi, la Classique des Alpes juniors pour trouver le successeur de Jarno Vidar. Dimanche, l'Alpe-Grésivaudan Classique, 3e édition de l'épreuve féminine qui avait été remportée les deux premières par Evita Music, qui sera a priori au départ dimanche prochain. Evita Music, elle qui a brillé sur la Vuelta, sur le Tour d'Espagne féminin, et bien qui reviendra sur les routes de l'Isère. En ce qui concerne le plateau de la Classique des Alpes,
On peut en tout cas vous annoncer côté Auvergne-Rhône-Alpes, pour parler des locaux, et bien la présence bien sûr de Paul Seixas, deuxième l'année dernière, et le champion de France Camille Charret est également annoncé au départ samedi de Ruy-Monceau, lui qui a brillé hier sur une étape du Tour du Pays de Vaud en Coupe des Nations Junior avec, j'allais dire, les couleurs de l'équipe de France, mais bon, et il avait un autre maillot à porter, c'est celui de champion de France. En tout cas, il est dans la sélection de l'équipe de France. Donc champion de France il y a quelques jours du côté d'Alkirch. Alkirch qui a consacré un autre champion de France. Cette fois-ci chez les espoirs, c'est Noah Isidore qui fait donc le bonheur et le plaisir de l'équipe Décathlon AG2R Développement, actuellement en tête de peloton. Oui, tout à fait. Et pour revenir à Paul Seixas, on va rappeler qu'il a aussi remporté Liège-Bastogne-Liège. C'est quand même une sacrée référence que de remporter une classique de ce niveau à seulement 18 ans. Franchement, là aussi, c'est un garçon qui est étonnant sur les performances réalisées. Tu seras là donc samedi, Lilian, donc pour commenter la classique des Alpes juniors et dimanche. Bien sûr, je crois même que tu seras là samedi aussi. Voilà, moi je ne serai là que samedi, effectivement, pour la classique des Alpes juniors. Et puis vous retrouverez Nicolas Caille au micro donc du direct également à nos côtés pour la classique des Alpes qui sera en intégralité avec les mêmes moyens de production de l'agence Black Hole qui assure la réalisation des images sur l'Alpe Isère Tour, la classique des Alpes et l'Alpe Grésivaudan classique. Et avec ces différents canaux de diffusion sur canal officiel 1.sport et puis le signal repris sur Télé Grenoble où vous nous suivez peut-être depuis quelques jours. Canal repris également par Vélo Plus TV, la plateforme officielle de la Fédération Française de Cyclisme. Alors certes, il faut s'inscrire, mais elle est 100% gratuite, rassurez-vous. Donc pour suivre les différentes épreuves. Et puis signal repris évidemment par nos amis de Direct Vélo, notamment 2 minutes 35 à 40 km de l'arrivée. L'écart qui continue de fondre, on ne laisse vraiment aucune chance à ce groupe de 7 concurrents. Oui, depuis la prise d'antenne, donc l'écart s'est réduit de plus de 2 minutes entre l'échappée et le peloton. C'est vrai que ça roule fort hein, sur ces longues lignes droites là, dans la traversée de la plaine de la Bièvre. Heureusement, il n'y a pas de vent, disons, très 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 violent là aujourd'hui. Mais ça permet effectivement au peloton emmené par les coureurs de Décathlon, G2R La Mondiale et Arkea d'ailleurs, Décathlon qui demande le passage de relais, mais qui suffit de donner un petit coup de coude. Et ça indique effectivement qu'on laisse la place pour assurer donc la chasse derrière les 7 hommes de tête. On fait remonter donc un certain nombre de voitures invitées, peut-être pas encore les véhicules de directeurs sportifs, mais l'écart, ça, vraiment, ça s'amenuise. Et on risque d'assister effectivement à un regroupement dans les 15-20 derniers kilomètres de cette étape. Il en reste 40. Il en reste 40, donc nous sommes tout près d'entamer donc le virage à droite dans la traversée de Saint-Barthélemy de Beaurepaire avant d'entamer l'ascension de la côte de Pisieux. Et info côté voiture, oui, VF Group Bardiani qui ne voulait pas rester à l'avant. On vient de l'avoir remonté, hein. Il était derrière le peloton qui vient quand même ravitailler son coureur chilien à l'avant. Il faut dire que sur les épreuves de ce niveau, donc qui est le niveau UCI classe 2, c'est une voiture par équipe. C'est-à-dire qu'autant sur les épreuves du calendrier classe 1 et World Tour, évidemment, vous avez deux voitures par équipe, ce qui permet, lorsqu'il y a un coureur échappé, d'avoir une voiture à l'avant et de garder quand même une voiture pour les autres coureurs derrière. Là, c'est pas le cas, donc les équipes représentées à l'avant doivent faire un choix entre couvrir leur coureur en tête ou rester sagement derrière le peloton. Et je crois que d'ailleurs, c'est également l'équipe Hexagone qui avait fait le choix de rester derrière le peloton, mais qui là se dit que c'est peut-être le moment d'aller ravitailler et d'encourager un petit peu leur coureur à l'avant, Julien Marin. Voilà, donc nous sommes à l'entrée là maintenant de Saint-Barthélemy de Beaurepaire. C'est vrai que c'est important aussi de rappeler que, comme les coureurs n'ont pas d'oreillettes, les seules informations effectivement leur sont transmises par les directeurs sportifs lorsqu'ils peuvent remonter. Et les ardoisiers. Et les ardoisiers, mais compte tenu effectivement d'un écart
qui peut passer sous la minute et qui va donc demander à ses directeurs sportifs de passer directement à l'avant, il sera plus possible de communiquer vraiment. C'est peut-être le moment, comme Lilian vous le disait tout à l'heure, c'est peut-être le moment effectivement de donner à la fois le ravitaillement nécessaire, mais aussi les infos nécessaires à ses coureurs de tête. Mais on a du mal à doubler le peloton. Le peloton qui occupe toute la largeur de la chaussée, alors que l'échappée, elle est bien continue, tant bien que mal, après 2h40 d'épreuve maintenant. Ouais, c'est difficile. C'est un métier. ouais, c'est vraiment difficile. Hein. C'est vrai que pour doubler un peloton où il y a peut-être 90 coureurs, c'est vraiment compliqué aujourd'hui, ce peloton qui effectivement tient toute la largeur de la route et qui n'est peut-être pas forcément enclin à laisser passer des véhicules, donc les véhicules suiveurs. Cela étant, c'est sûr que dans ces épreuves, il faut avoir besoin de motos, de gendarmerie notamment, il faut avoir besoin de motosécurité. Et je crois que bon, les coureurs doivent bien entendu comprendre qu'ils ont besoin de ces gens-là pour pouvoir les aider tout simplement et assurer leur sécurité. Allez, dans quelques instants, on attaquera une nouvelle difficulté, la côte de Pizieux, classée ils en... ils y sont, Lilian. Hein. En quatrième catégorie, c'est vrai que ça commence à monter. Ils y sont. Le compteur un petit peu loin, mais... Ouais, voilà, donc ascension de la côte de Pizieux pour... L'échappée, là aussi on s'aperçoit que chez DSM Firmenich, effectivement, ben, toutes les informations, j'allais dire, sont les bienvenues. Alors que le peloton, lui, donc, vire sur la route nationale, donc à l'entrée de Saint-Barthélemy de Beaurepaire. On ne passe pas cette année par Beaurepaire, puisque juste après donc, la traversée de Saint-Barthélemy, donc, les coureurs virent sur la droite pour entamer donc, l'ascension de cette côte de Pizieux. Nous sommes là maintenant à 34 km 500 donc, de l'arrivée. Je pense qu'il y a un petit décalage, à mon avis, entre le roadbook et ce qui nous est communiqué. C'est le kilométrage du peloton, nous indique-t-on. Alors ceci dit, effectivement, ça, on était sûr. Juste dans une petite bosse, mais pas l'ascension répertoriée encore hein, pour l'échapper oui. Dans la côte de Pizieux. Avant cela, on va rappeler, bien sûr, que le départ a été donné tout à l'heure de Saint-Maurice-l'Exil, non loin de là où nous nous trouvons à l'arrivée. Mais effectivement, Saint-Maurice-l'Exil, habitué à avoir des départs, des arrivées, évidemment, puisque l'année dernière, c'était à Saint-Maurice-l'Exil que l'on avait terminé cette étape. Et je vous propose d'écouter le maire de Saint-Maurice-l'Exil qui nous a accueillis encore une fois pour le départ. C'est Monsieur Philippe Gentil qui était d'ailleurs avec nous et qui se confiait à nos caméramans et journalistes il y a quelques semaines. Donc pour la 23e année consécutive, Saint-Maurice-l'Exil, petite ville de l'Isère rhodanienne, va accueillir à nouveau une étape de l'Alpes-Isère Tour. Donc c'est vraiment avec enthousiasme et avec un énorme plaisir qu'on retrouve le vélo chaque année au mois de mai. 32e édition de l'Alpes-Isère Tour, c'est quelque chose maintenant qui est bien installé dans notre environnement et qui apporte à Saint-Maurice un autre regard sur le sport. On a énormément de clubs sportifs, puisque le sport fait partie de l'ADN de la commune. Mais le vélo, c'est un autre domaine, et ça nous permet de proposer à la population un accès, une facilité d'accès à des sportifs de renommée, à des sportifs en devenir, puisque c'est aussi ça l'Alpes-Isère Tour. Saint-Maurice est engagé également, c'est une année olympique, on est engagé... en tant que territoire de jeu 2024, puisque nous sommes labellisés. Et à ce titre également, il y a un certain nombre d'opérations visant à exposer ce qu'est le sport, à sensibiliser la population et les enfants aux Jeux olympiques et à l'olympisme. C'est quelque chose qui est important. Et je tiens particulièrement à remercier les organisateurs, Michel Baupe, les bénévoles, pour toute la qualité de la prestation qu'ils mettent à notre disposition et la qualité de l'accueil qu'ils font à l'ensemble de la population. Un grand merci à eux, et je suis encore une fois très heureux d'accueillir pour cette année un départ, puisque alternativement avec la communauté de communes, nous avons un départ ou une arrivée.
Et cette année, nous avons un départ qui se fera sur l'esplanade d'Aqualone, comme d'habitude, avec l'arrivée à Roussillon et un parcours qui va traverser une grande partie des communes de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Eh bien, merci à Saint-Maurice-l'Exil d'être aussi fidèle à l'Alpizère Tour, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône qui est fidèle. On revoit justement les quelques images du départ avec les différents maillots distinctifs qui étaient en première ligne. Départ réel donné une dizaine de minutes plus loin et tout de suite les premières offensives avec justement Julien Marin, Vincente Roras que l'on va retrouver. Maintenant, dans cette échappée, il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Du côté des sprinteuses intermédiaires, il n'y aura aujourd'hui pas de changement. Du côté du leader, Jordan Abetz va garder son maillot bleu ciel. Si toutefois il termine l'étape, on lui souhaite évidemment. Et puis, du côté de la montagne, c'est bien parti pour Victor Jean. On va attendre de franchir bientôt le sommet de la côte de Pisieux. D'ici 2 km, côte de Pisieux qui ne représente que 800 mètres d'ascension, ça va aller très vite, à 8% tout de même. Et puis il restera donc cette côte du Carrefour de l'Arbre, 1 km cette fois-ci à 10%. Oui, tout à fait. Oui, pour revenir sur la ville départ, donc Saint-Maurice-l'Exil, c'est une fidélité qui dure depuis 23 ans. C'était la 23e fois que soit cette ville accueille le départ, soit d'ailleurs accueille l'arrivée d'étape. Donc c'est vrai que c'est une belle preuve de fidélité pour cette localité, on va dire très sportive de Saint-Maurice-l'Exil, qui a des équipements d'ailleurs tout à fait remarquables. Voilà, la côte de Pisieux, je crois qu'on s'en rapproche là maintenant, puisqu'on nous indique 31,4 km donc pour le peloton, donc ça veut dire qu'on est à 30 km maintenant de l'arrivée hein, pour les 7 coureurs de tête. Et le sommet de Pisieux n'est qu'à 27 km 200 de la ligne d'arrivée tracée ici à Roussillon. Avec toujours l'équipe des 4 chevaux AG2R hein, qui reprend les commandes. L'équipe du maillot jaune, Kylian Verschuren. On rappelle qu'il n'y a plus qu'une petite seconde d'avance sur Jarno Vidar au jeu des bonifications. Puisque et Kylian Verschuren le leader et ils sont allés se faire la peau sur le premier sprint intermédiaire pour aller chercher les bonifs. À ce petit jeu, c'est Martin Thiotet qui était passé en tête. 3 secondes de gagné. Jarno Vidar en prenait 2 et Kylian Verschuren 1, ce qui lui permet d'avoir toujours une seconde d'avance au classement général. Oui, on risque d'avoir un scénario presque identique à celui des trois premières étapes, finalement, sur cette arrivée ici à Roussillon. Donc, j'allais dire qu'il ne restera plus que l'étape de demain, mais là, ça sera une autre étape et une autre paire de manches, hein, c'est certain. Voilà, donc, le panneau qui nous indique le passage au sommet de cette côte de Pisieux dans 1 km. Voilà, donc, c'est une succession là de montées et de descentes dans cette région, puisque à chaque affluent du Rhône rive gauche, on a effectivement soit une descente, soit une montée, soit les deux bien entendu. Et là donc on est dans cette côte de Pisieux qui va nous emmener ensuite dans la localité de Revel-Tourdan. Et là on aura, on va dire, une vingtaine de kilomètres de route plate. Sans aucune difficulté avant d'affronter donc cette côte du Carrefour de l'Arbre. Avec, c'est vrai, tu disais Jean-Claude, un terrain épuisant, je crois qu'il faut le dire, pour les coureurs. L'organisateur décide de répertorier certaines difficultés, mais il y en a bien d'autres qui auraient peut-être mérité tout autant. Voilà, on ne peut pas attribuer des points à chaque petit pétard. Mais en tout cas, cette côte de Pisieux va apporter des points. Il reste 500 mètres et Victor Jean impose le tempo. S'il passe en tête, il vient asseoir un petit peu plus son avance au classement de la montagne et surtout récupérer pour de vrai le maillot qu'il a actuellement sur les épaules. C'est celui de la combativité. Il n'est que deuxième de ce classement, le leader Sertiem Schmidt, qui ne pouvait pas porter deux maillots ce matin. C'est pour ça qu'on a confié le rouge à Victor Jean. Mais là, s'il passe en tête, il ira le chercher pour de vrai.
et ne le portera pas demain, puisque lui non plus ne pourra pas en avoir deux. Tout à fait, oui. En tout cas, il assure le travail, hein. Il assure la mission qu'il s'était fixée, Victor Jean. Et ça prouve que ce garçon est en excellente condition physique. Du côté de la famille Barl, on doit se réjouir effectivement du travail qu'effectue l'un des leaders de la formation du vélo-club de Villefranche-Beaujolais. Il avait annoncé hier soir son intention de récupérer ses maillots intermédiaires, notamment celui de la montagne. Bien, il a tenu ses engagements et il tient bon. Souhaitons-lui bien sûr de rentrer sur la ligne d'arrivée pour pouvoir revêtir ses maillots, notamment ce beau maillot de leader du classement de la montagne. Demain, ça sera encore autre chose. Voilà le passage donc dans la localité de Pisieux. Là, les coureurs vont virer sur la gauche. C'est cela. Donc. Et du monde pour accueillir les coureurs. Et pas de souci donc pour Victor Jean qui va aller faire coup double aujourd'hui, la montagne, la combativité. Alors c'est sûr qu'on rêverait d'une victoire d'étape, mais il n'y a plus que 2 minutes 20 en leur faveur. 28 km de l'arrivée et un peloton qui allait dans longue derrière pour essayer de revenir. Et on va retrouver encore une fois des routes larges, des portions un petit peu plus planes qui vont ramener les coureur à Anjou, pied de cette dernière difficulté répertoriée du jour, la côte du Carrefour de l'Arbre. On a vu beaucoup d'élus donc au départ de cette étape, et j'en profite effectivement pour les saluer, donc tous les élus de la communauté de communes d'entre Bièvre et Rhône, qui sont vraiment les uns comme les autres, je dirais, très intéressés pour accueillir soit des arrivées, soit donc des départs d'étape. Et là, tout près de Pisieux se situe donc la commune de Primarette, et c'est une information qu'on a eue hier soir à Lilian, le maire de Primarette donc va accueillir l'Alpizer Tour dès l'année prochaine, donc en 2025, pour un départ d'étape. Donc on s'aperçoit effectivement que des communes petites par le nombre des habitants effectivement sont prêtes à mouiller le paletot pour accueillir l'Alpizer Tour. C'est quand même une grosse organisation. En tout cas, chapeau à toutes ces petites communes d'entre Bièvre et Rhône notamment, et puis dans beaucoup d'autres comme que l'on a pu visiter ces trois derniers jours. Chapeau à ces petites communes qui font le job pour accueillir les rois de la petite reine. Et l'année dernière d'ailleurs, on était parti d'une autre petite commune, celle de Monsteroux-Milieu, que les coureurs ont traversé encore cette année. C'était en tout début d'étape. Alors on était repassé saluer les habitants de Monsteroux-Milieu qui nous avaient accueillis pour le départ. C'était l'année dernière dans cette quatrième étape, alors que le peloton passe lui aussi au sommet maintenant de cette côte. Peloton qui compte toujours dans les premières positions le maillot jaune de leader de Kylian Verschuren. Kylian Verschuren avec qui on a discuté un petit peu évidemment au départ. Il n'était pas particulièrement bavard. Il a passé une journée hier où il a été très prudent, sans encombre, conserver le maillot. Mais on va l'écouter quand même. C'était tout à l'heure au départ le maillot jaune Kylian Verschuren. Parce que j'ai eu l'impression que vous ne vous êtes pas quitté avec Arnaud Vidard, ton dauphin. C'est vrai qu'il n'y avait que 2 secondes. Tu avais peur qu'il aille faire le sprint, les bonifications. Peut-être, c'est vrai que 2 secondes, ça peut être bouclé par un rien. Ouais, c'est ça. Avec 2 secondes, fallait se méfier parce que une bonif et c'est vite, vite perdu. Heureusement, l'équipe a bien géré toute la course et on a pesé entre les embûches et placé aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un parcours totalement différent, on va commencer à monter en gamme en termes de dénivelé. C'est une étape qui est piégeuse, qui vous fait peur? Ouais, c'est ça, elle est piégeuse, mais on est confiant, donc on espère que ça va bien se passer. Eh bien, bon courage à toi. Merci à Kylian Verschuren. Eh bien, Kylian Verschuren, inquiété dès les premiers kilomètres avec ce sprint bonification. Heureusement qu'il est allé chercher une seconde, sinon Arnaud Vidard revenait au contact.
Et là, l'écart n'est plus que d'une seconde entre le premier et le deuxième du classement général. Ça nous promet un sacré final. On est en train de reprendre des portions larges que l'on va retrouver encore quelques kilomètres. On vous rappelle le classement général à ce stade de la compétition. Kylian Verschuren est toujours leader avec 2 secondes. Ça, c'était ce matin au départ. Il n'y en a plus qu'une. Maintenant, sur Jarno Vidar, Victor Guernalec est à 4 secondes. Emren Jvestat est à 8 secondes. Martin Ciota, lui, va revenir également à 8 secondes maintenant au jeu des bonifications. 8 secondes de Kylian Verschuren. Voilà donc les 5-6 premiers concurrents qui se tiennent en 10 secondes seulement. Et l'écart sur la route, cette fois-ci, est de 2 minutes 10 entre l'échappée et le peloton. On a toujours 3 virtuels maillots jaunes hein, quand même dans l'échappée. On rappelle les mieux classés à la star McKellar, Vincent Baudet, Robedont. Mais, derrière, on ne s'en tient pas compté avec le peloton lancé à leur poursuite. Voilà, traversée donc de Revel-Tourdan, donc on est sur du faux plat descendant là, donc pour les coureurs de tête qui et le peloton est à vive allure hein, dans la traversée de Revel-Tourdan. Donc ouais, c'est la suite de la côte de Pisieux là, donc Lilian, on est en pleine descente. Avec la Metec Solarwatt qui vient se repositionner, voilà. Je crois que c'est Taille de Langue ici que l'on aperçoit, voilà. Et Jordan Abed juste derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il leur prend aux Néerlandais ici à 25 km de l'arrivée? Voilà, marre de voir les équipes continentales françaises maîtriser la partition. Eh bien, l'équipe Metec Solarwatt revient aux commandes avec un garçon qui a déjà signé une place dans le top 10 du classement général de l'Alpizère Tour, Taille de Langue. Et puis un garçon qui porte le maillot bleu ciel et qui avait remporté l'étape de Cherville l'année dernière, Jordan Abetz. Voilà, Jordan Abetz qui est 8e au classement général à 35 secondes. C'est vrai aussi. Il est 8e à 35 secondes. Quand on connaît le talent du jeune coureur hollandais, là, c'est effectivement un client lui aussi. Il peut effectivement s'avérer être un client aujourd'hui sur cette étape qui se termine, je le rappelle, à Roussillon. Voilà, donc nous sommes au pied de la descente de Pisieux, traversée de Revel-Tourdan maintenant pour le peloton. Le peloton donc qui va retrouver dans un faux plat descendant en direction de Beaurepaire d'Isère, donc le peloton qui va retrouver des routes très larges et des vitesses folles. Hein. C'est sûr que là on est certainement à plus de 70 km/h dans cette descente. Les coureurs vont donc virer sur la droite à angle droit pour rejoindre des localités telles que celle de Pacte, Sonnet, Anjou. Ça c'est vraiment des coins de vélo où on peut effectivement se faire plaisir à loisir sur de belles routes. Et on file, hein. Plus de 60 km/h sur ces portions larges, roulantes, sur un bitume parfait. Et l'arrivée, on le rappelle, prévue aux alentours de 15h45, ce sera dans ces eaux-là. 23 km de l'arrivée, toujours 2 minutes 10 sur des portions qui avantagent clairement le peloton. Le temps de passer les dernières consignes du côté des directeurs sportifs avec le Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui vient évidemment saluer et féliciter Victor Jean puisqu'il va repartir ce soir avec 2 maillots. Mais on aimerait bien encore plus. Et mine de rien, plus de 2 minutes à 23 km de l'arrivée, on peut toujours espérer. Ah, et le Vélo Club de Villefranche qui a d'autres belles cartouches et peut-être que demain effectivement on peut retrouver des garçons comme Théo Thomas ou comme Tao Kéméré, pourquoi pas. Ce sont des guerriers, hein. C'est vrai que c'est des garçons qui sont habitués à ce genre d'épreuve, mais là on est vraiment pied au plancher hein, dans le peloton. Avec le maillot blanc hein, de Jarno Vidar, le deuxième du général qui prend un gros relais, alors, un petit peu comme il l'a fait hier. Et déjà hier, on n'avait pas trop compris d'ailleurs l'attitude. Ben c'est lui qui demande en fait. J'ai l'impression qu'il force ses équipiers de la Lotto Destiny à faire le boulot en tête de course. Il est très exigeant hein, ce garçon. C'est vrai que non seulement il fait le job comme on dit, mais il demande à ses équipiers d'en faire autant pour ne rien lâcher. Il y a quand même 2 minutes 10, hein, il y a encore à boucher et on ne les bouge pas comme ça. C'est sûr que
sur du terrain donc, qui va être plat maintenant jusqu'à au pied de la dernière difficulté du jour, la côte du Carrefour de l'Arbre. On a vraiment de belles routes, mais faut-il encore s'y employer pour revenir sur cette échappée qui ne s'en laisse pas compter. Et c'est très bien, et c'est tant mieux pour le spectacle qui nous est proposé aujourd'hui. Vous voyez que dans l'échappée, effectivement, les relais tombent de façon très régulière et on ne lâche rien en tête de course. J'avais même l'impression qu'il y avait un coureur qui semblait vouloir sortir donc de l'échappée. Est-ce que c'était pour une prise de bidon ou un ravitaillement? Je rappelle que les arbitres de l'UCI ont toléré donc les ravitaillements jusqu'à 10 km avant l'arrivée ici à Roussillon, c'est-à-dire pratiquement au sommet donc de la côte du Carrefour de l'Arbre. On ne pourra bien entendu plus ravitailler les coureurs. Et ça, c'est une information importante. Alors, laissez voir si on a un autre écart. Ils sont mis à 7, toujours. Alors que l'on rappelle donc la composition de ce groupe. Vincentero, Horace, Chilien de la VF Group Bardiani, Vincent Baudet, Robédonde pour la DSM Firmenich, Alistair McKellar pour Agnès Bermans, Mathis Lebout pour Charvieux, Chavagnu, Yves Ercy, Victor Jean pour Villefranche, Julien Marin pour Hexagone, Corbalion Métropole. Et effectivement, 20 km de l'arrivée, on a encore 10 km sur des routes comme celle-ci. Hein. Pour l'instant, ça va désavantager effectivement cette échappée avant de tourner à droite pour aller aborder cette côte du Carrefour de l'Arbre. Mais pour l'instant, c'est tout droit en direction d'Anjou et sur ces routes larges. Je serais curieux d'avoir la vitesse du peloton par rapport à la vitesse de l'échappée. J'ai l'impression que dans le peloton, là, on s'emploie beaucoup et qu'on va essayer effectivement de revenir sur les 7 coureurs de tête échappés déjà depuis des dizaines de kilomètres. C'est vrai que les efforts, nous sommes quand même non pas en quatrième semaine mais en quatrième journée, et c'est vrai que les coureurs ont déjà fait pas mal d'efforts lors de ces 4 premières étapes. Ouais, et du côté des directeurs sportifs, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, hein, qu'il faut continuer d'y croire. Évidemment, plus que jamais, Charvieux Chavagneux qui avait connu le bonheur d'une victoire la saison passée avec Clément Carizé. Attention à ne pas trop jouer hein, avec les bidons ou autres barres un petit peu collées. En tout cas, on en profite pour passer les consignes du côté du directeur sportif. C'est plus de la glu que de la colle, là, non? On laissera les arbitres faire leurs commentaires eux-mêmes, mais c'est vrai que on joue peut-être un peu. À défaut de commentaires, de prendre les décisions qui s'imposent parfois et qui sont déjà lourdes tant au niveau pécuniaire qu'au niveau des temps. Parce que aussi, les sanctions, c'est vrai qu'elles sont en argent, je disais tout à l'heure, donc en francs suisses, mais il y a aussi des sanctions en temps. Et en points, puisqu'on voit des coureurs qui perdent des points dans les classements intermédiaires. Donc les arbitres UCI, eux, veillent au grain. Et c'est leur boulot, bien entendu, d'assurer donc le bon déroulement de chacune des étapes. Alors que beaucoup de directeurs sportifs ravitaillent et passent des consignes en tête, mais pour autant, pas s'endormir hein, et ne pas trop désorganiser la file. Parce que c'est vraiment sur cette portion que l'on peut perdre du temps sur le peloton. Peloton que l'on imagine qu'il va être secoué tout à l'heure par les offensives. On a vu notamment un garçon omniprésent depuis le début de la semaine pour aller chercher la moindre bonif, pour animer l'épreuve en direction de Saint-Savin. C'est le quatrième de l'année dernière. C'est Martin Ciotta. Il était alors sous les couleurs de Bourg-en-Bresse Cycling depuis le début de l'année. Il a troqué les couleurs amateurs contre les couleurs professionnelles de l'équipe continentale Arkea BNB Hotel Développement. Eh bien, on va écouter ce qu'il nous disait au départ de l'étape sur cette situation de course, puisque lui est cinquième actuellement du général, mais son coéquipier est quatrième. Ça fait 2 cartes à jouer. On l'écoute à ce sujet. Fourth in the general classification. This is an important weekend. Last year, this fourth stage was very important. There was a lot of gaps, so you need to be very careful today. L'année dernière, c'est une étape qui avait fait beaucoup de dégâts avec beaucoup d'écarts. Tu avais terminé quatrième du classement général. Pour cette année, c'est une étape où il faudrait être très vigilant.
Yeah, it's a different stage today than the fourth stage last year, but we still have to be careful and be aware of possible things that can happen, especially in the final. It's a bit hectic, but overall, I think it should be an all right day with not too many problems. Oui, il nous dit que c'est une étape quand même un petit peu différente par rapport à l'année dernière. Le final va être un peu technique, l'étape est moins dure, mais le final va être plus technique et surtout plus tactique. On va voir effectivement ce qui peut arriver aujourd'hui pour se porter à l'avant. One word about your team. You have two cards for the general classification, Embret and you. How do you feel? How do you manage these two leaders? Comment on fait avec deux leaders dans l'équipe? Vous êtes quatrième et cinquième du classement général. Vous avez tous les deux d'excellentes jambes. Comment on gère ça? Yeah, we are both Embret and me, and I think it will be all right. We get along well, and as long as the team succeeds, it's good for both of us. So yeah, it's good to have two people. We have cards to play, and it will be interesting tomorrow. Ah, il nous dit qu'effectivement ça va être un avantage d'avoir ces deux cartes à jouer, que ce qui compte c'est de faire briller l'équipe et que ça pourrait être important demain sur une étape qui sera encore plus difficile. Thank you very much, Martin. Voilà deux Norvégiens dans une équipe bretonne qui peuvent tous les deux monter sur le podium de l'Alpizer Tour dimanche à Bourdoisan. Martin Ciotta y avait échoué au pied l'année dernière en terminant la quatrième place. On verra s'il essaie encore de grappiller tout à l'heure dans la côte du Carrefour de l'Arbre. Il reste 6 km avant d'y parvenir. Et derrière, il restera donc 10 km. 1 km d'ascension à 10% pour cette côte du Carrefour de l'Arbre. Et en tout cas, on n'amuse pas le terrain au sein du peloton. On va en profiter pour saluer la disponibilité des coureurs au niveau des interviews. Saluer aussi le travail de tous les signaleurs qui assurent la sécurité des coureurs. Beaucoup de clubs de vélos régionaux donc, sont venus effectivement prêter main forte au COTNI, c'est-à-dire au comité d'organisation du Tour Nord-Isère. Et j'ai aperçu tout à l'heure dans l'ascension de la côte de Pisieux un club de cyclo qui s'appelle le Petit Braquet Borpérois. Donc on va les remercier pour le travail qu'ils effectuent, donc au profit bien sûr des seuls coureurs engagés dans cette épreuve. C'est vrai que les coureurs ont toujours plaisir à dire que la course est remarquablement bien organisée et c'est grâce à ce bénévolat effectivement qu'on peut tirer ce coup de chapeau aux organisateurs. Voilà, donc on se rapproche, Lilian, maintenant du Carrefour de l'Arbre. Encore 5 km avant le pied et dans l'échappée, je trouve qu'on perd un peu de temps quand même, beaucoup discuté avec les directeurs sportifs. Certes, on a besoin d'infos, de réconfort également, mais dans le peloton, on ne pose de questions à personne. Voilà, la manière dont roule le peloton, je suis surpris qu'ils aient encore 1,55 de retard. C'est vrai qu'on a l'impression de deux allures totalement différentes. Ah ouais. Et pour parce que là, le peloton, ils sont à plus de 50, hein, à mon avis. Hein. Franchement, quand on voit... comme ça envoie, comme on dit dans le jargon cycliste. Et là, au niveau de l'échappée, on est à mon avis à 44-45, mais pas bien au-delà. J'ai l'impression que l'écart se réduit alors qu'on arrive ici dans la localité de Sonnet. J'aimerais bien avoir... Oui, on nous signale 1,40, donc l'écart se serait donc... Tant mieux pour l'échapper hein, finalement, parce que ça va leur permettre de disputer le dernier classement du Grand Prix de la Montagne, si c'est vraiment le bon écart. On s'observe et du coup, on repart du côté de l'équipe d'ASM Pierre Méniche. Je ne sais pas si c'est pas donc Robédonte qui est parti. J'ai l'impression, le Belge de l'équipe DSM Pierre Méniche. C'est bien joué d'ailleurs parce qu'ils sont deux de la DSM dans l'échappée, tous les deux à 1,04. Mais c'est vrai que c'était une belle tentative alors que là, donc on quitte la localité. C'est Vincent Baudet qui est devant. De Sonnet, voilà, c'est ça, 4, 5, 6, 7, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré donc dans l'ordre à la sortie de Sonnet en direction d'Anjou. Et là, donc, on va assister à un beau spectacle. Franchement, l'ascension de cette côte
du carrefour de l'arbre, elle promet parce qu'il y a des passages à plus de 14%, même si la pente moyenne est à 10. Oui, la pente moyenne à 10, effectivement, ça va passer si, vite hein, quand même. Je t'assure, on en parlera donc tout à l'heure avec les coureurs. J'y suis on allé ce matin. Non, c'est voilà, pour... Elle arrive en fin d'étape, ça c'est certain. Donc, après 140 km après 140 de course, km, c'est ça. Moi, j'avais pas 140 peut, km ce matin. Ouais, mais ça peut effectivement... ça peut ah pousser non, dans la mais... Ah, là c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre. Alors, je sais bien qu'il y avait un radar à 80 sur le côté et qu'il fallait pas se faire flasher, ouais. Mais là... C'est vraiment dommage parce que il y a une opportunité. Hein. Cela étant, quand il y a dans une échappée comme celle-là, donc deux coureurs d'une même équipe, c'est vrai que ça peut fausser l'avancée de l'échappée. Et c'est peut-être aussi une tactique de la DSM mise en place par les directeurs sportifs. On les a vus se rapprocher de leurs coureurs tout à l'heure. C'est peut-être une info hein, qu'ils ont eue. D'essayer de partir avant la dernière difficulté du jour, cette côte du carrefour de l'arbre, pourquoi pas. Moi je sais que je tenterai en tout cas ce genre de manœuvre finalement. Tenter oui, mais là tout le monde semblait se relever, discuter, alors que le peloton lui roule à vive allure derrière. Alors, je peux comprendre qu'on ait besoin également de compter les coups de pédale avant cette dernière ascension. Mais voilà, on est déjà au radar justement pour le peloton. Ouais. Bah, je suis surpris de l'écart. J'aurais l'impression effectivement qu'il y a moins d'une minute quarante entre les sept coureurs de tête et le peloton. Une vingt, hein, de dernières informations. Ça ne surprend pas. Alors qu'on est donc dans le village d'Anjou. D'ailleurs, j'en profite au passage pour signaler la beauté de ces villages traversés par l'Alpe Isère-Tour, tout à l'heure Revel-Tourdan, qui est un remarquable village. Anjou avec pas moins de 4 châteaux dans cette localité d'Anjou. Et on va... Ils sont tous plus beaux d'ailleurs les uns que les autres. Et voilà, on va virer sur la droite, un virage à 90 degrés, que tu connais bien, donc Lilian, si j'ai bien compris. Et effectivement avec des parties très fleuries hein, sur le sommet. Allez, c'est parti pour 1 km, c'est Alistair McKellar qui s'est déjà dressé sur les pédales. Arrivé 10 km et derrière on est un petit peu plus en difficulté pour le très jeune Vincent Baudet, le coureur français de cette équipe DSM Firmenich. Il sort juste des rangs juniors, il va essayer de gérer son effort. 1 minute 20 aux dernières infos. Allez, si ça bascule avec 50 secondes, ça peut y aller hein, le final est technique. Victor Jean vient se repositionner. Ah, tout va se jouer, à mon avis, dans cette ascension. Hein. Si le peloton revient, on va dire, à 30 secondes, pour moi, c'est plié. Et c'est vrai qu'il faut, à mon avis, au minimum 51 minutes, 50 secondes et une minute. Ouais, 50 secondes, on nous indique. Hein, au pied de la côte, donc 50 ils secondes. Ils sont déjà là. Oh là 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 là, ça monte très très vite hein, sur le en tête de peloton, ça monte vraiment vraiment très très vite. Pas d'offensive franche en tout cas pour l'instant. 50 secondes et c'est terminé pour Julien Marin pour la formation d'Hexagone Corba Lyon Métropole. Chapeau à ce garçon qui était déjà à l'avant il y a 3 jours. Ah ça craque hein, en tête de course. On s'aperçoit qu'ils sont vraiment au rupteur. La moto qui remonte, c'est compliqué pour Mathis Lebeau. Vincent Baudet, lui, est toujours là. Par contre, Victor Jean est où ? Victor Jean est là. Alistair McKellar est devant. Ils sont trois lancés à sa poursuite avec Robédont, Vincente Roras. Victor Jean est en train de lâcher prise. Allez, on a un très court replat ici. C'est là où il y a des passages. Traverser le village. Très court replat et ça va repartir de plus belle pour la dernière rampe. Une ascension en deux paliers, on va dire, cette côte du carrefour de l'arbre. On y était là, passé il y a 2 ans. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que là, on est donc déjà sur la deuxième partie de cette ascension, le deuxième palier. Il va y avoir une épingle à cheveux carrément sur la droite. Mais en tout cas, on s'aperçoit que là, il y a des coureurs qui vraiment sont d'ores et déjà dans le dur. Ouais, c'est fini pour Vincent Baudet. Qui relance bien quand même, qui va revenir sur Victor Jean. Et devant, c'est Alistair McKellar hein, qui semblait en tout cas s'envoler. Vincente Roras a été décramponné. Et en tête de peloton,
On est ressorti avec un coureur de l'équipe Aras Skip Capital. Ouais. Ça montre très fort hein, sur le peloton. Donc voilà le fameux arbre hein, qui est au sommet. Ouais. On a doublé Roras. Je crois qu'on va essayer de rattraper Alastair McKellar que l'on a vu s'envoler. Ils sont deux. Deux, oui. À l'avant avec McKellar et Robedont. Vincent Baudet était en difficulté, mais c'est bien le Belge de la formation DSM que l'on va retrouver ici. Alors ces deux garçons, c'est intéressant, finalement, ils sont au classement général à 1,04 hein, du leader. C'est vrai, et là, si on peut s'entendre un tout petit peu sur cette portion, après ça va descendre, on va être sur des enchaînements de virages dans les rues de Roussillon. Pourquoi pas l'espérer? Et pour les autres, c'est terminé, en tout cas, puisqu'on est en train déjà d'aller chercher la bascule. Oui. Ils ont un intérêt, j'allais dire, tous les deux, McKellar et Dont. Donc, ils ont intérêt à s'entendre. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans ce genre de situation, il faut effectivement collaborer, parce que là, c'est la seule solution pour que... Ils puissent rejoindre la ligne d'arrivée. Il reste à peu près 9 km, un peu moins maintenant donc de 9 km. C'est-à-dire qu'ils ont encore un bon kilomètre de descente avant de traverser une partie de la localité d'Agnien. C'est une route qui est relativement plate. Et puis là encore, ça va redescendre sur Salaise-sur-Sanne avant de rejoindre donc... la ville de Roussillon. Alors, deux hommes en tête, le Belge Robedont et l'Australien Alastair McKellar. Et derrière, on a deux coureurs que l'on va tâcher d'identifier avec, je crois, un coureur pour Hexagone, Corbagno Métropole et un coureur pour l'équipe Aras Skip Capital. Et les deux qui vont revenir trois, puisque Vincente Roras va effectuer la jonction. Allez, virage délicat ici à gauche. Ça passe. Ça passe sans encombre donc pour les trois coureurs. Et qu'ils continuent de discuter. Et qui regarde derrière. Bon, 7 km encore à parcourir. On n'a pas d'écart. Mais pour ces trois hommes, cette fois-ci, il n'y a plus de surreprésentation d'une équipe. Hein. Vincent Baudet a explosé dans l'ascension. Alastair McKellar, il est déjà allé chercher une jolie place sur le sprint de Charvieux-Chavagneux mercredi. Il faudra se méfier de lui si on devait se présenter à 3. Voilà, donc les 7 derniers kilomètres hein, de cette étape, on retrouve ici un faux plat descendant, donc sur une route relativement large et en tout cas en très bel état. Et derrière, ce sont donc maintenant 3 hommes à leur poursuite. C'est le groupe numéro 2. Effectivement, le groupe de contre-attaque. Avec, j'ai l'impression, à la fois des coureurs qui ont été distancés d'échapper, ouais. Et puis le retour d'un ou deux hommes du peloton. Qui ont en point de mire donc le groupe numéro 1 avec ici un Robedont qui jette tout ce qui reste dans On est dans la dernière zone de délestage. C'est la zone de délestage, effectivement. Donc il y a aussi donc Vicente Roras hein, qui est dans ce groupe, le coureur de la Bardiani. Dossard numéro 16. Roras, McKellar et Dont. À vide, plus de bidon, les poches vides. Le plus léger possible maintenant dans cette dernière portion droite. Et ce groupe derrière, on va tâcher d'apercevoir. En tout cas, Vicente Roras a fait le jump. Hein, finalement, c'est le seul qui, du peloton, est revenu sur les hommes de tête. Et ça, c'est assez étonnant de voir... Alors, c'est toujours Julien Marin hein, pour la formation d'Hexagone qui est là, rescapé de l'échapper.
de Corba Hexagone Lyon Métropole de 593. Je crois que c'est Théo Thomas qui est sorti pour le Vélo Club du Franche Beaujolais. Et Brady Gilmore donc pour l'équipe Arras Skip Capital. Le panneau des 5 derniers kilomètres, on ne les aperçoit pas devant. C'était bien vu pour Théo Thomas et Brady Gilmore. Et chapeau à Julien Marin qui avait été l'un des premiers à se faire distancer dans l'ascension. Et finalement, il a trouvé son rythme. Et lorsque... Les coureurs amateurs donc, sont dans la deuxième, contre-attaque, en fait, dans le deuxième groupe, pour être plus précis. Mmh. Et c'est vrai que c'est remarquable de voir donc, un Julien Marin et un 4 km pour Thomas. La tête. Donc là, on est dans la descente en direction de Salaise. C'est serré à droite. Salaise-sur-Sanne. Ça passe. Moi, ce qui m'impressionne le plus, oui, c'est Vicente Roras, hein, qui a vraiment fait sans doute une montée assez extraordinaire de ce carrefour de l'arbre là, et qui a pu donc lâcher le peloton pour revenir sur Alester McKellar et sur Rebedont. Donc, ça veut dire revenir sur les échappées. 30 secondes, 30 secondes. Oui, c'est pas mal. Hein. Ça peut le faire. C'est pas mal. Ça peut le faire. C'est vrai que le circuit final, 45 secondes sur le. Je pense que. Ouais, ils sont seulement au virage, les trois hommes de poursuite. Ouais. Ça risque d'être juste et peut-être l'échappée aujourd'hui va pouvoir être récompensée. Ça serait plutôt sympathique hein, de voir effectivement cette. Donc cet échappé rejoindre l'arrivée. Enfin, ils sont deux, hein, de l'ex-échappé, McKellar et Dont. Non, les trois. Roras était bien là. Vicente Roras, oui, il y était dedans, pardon. Vicente Roras faisait partie effectivement de cet échappé. Autant pour moi. C'est vrai que je l'avais un petit peu oublié, j'allais dire. Bah, il a tout fait pour se faire oublier. Ouais. Il a réussi. En tout cas, il est toujours bien présent, le Chilien, déjà à l'avant mercredi à Charvieux. Allez, si on va couper le rond-point en allant sur la gauche, il reste 3 bons kilomètres. Et je regarde du côté du classement par points où on était à Alastair McKellar. Voir s'il pouvait décramponner Noah Hobbs, mais je ne crois pas. Non, je pense pas, effectivement. Je pense que Noah Hobbs devrait logiquement conserver ce maillot vert du classement par points. Voilà, donc les voitures d'épanage neutres donc, remontent maintenant à l'avant. Toujours donc en tête Alastair McKellar, Rebedont et Vicente Roras dans la traversée de Salaise. Voilà, il y a un kilomètre d'écart hein, entre les deux groupes. Donc ça semble tout bon. Moi je pense que ça peut aller au bout cette fois-là. Je pense. Tu me tues aujourd'hui. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est parti du mauvais côté. C'était dans le deuxième groupe. Ouais, ça c'est un. C'est un problème peut-être de fatigue en tout cas. Oui, parce que. Mais ça n'a pas désorganisé le premier groupe. Il y avait d'ailleurs. La flèche, il y avait le drapeau. Oh, c'est quand même dommage d'être sorti en force de ce peloton. Puis on est parti. Je ne sais pas quel est le coureur qui a viré. Je crois que c'est Brady Gilmore. À gauche. Le coureur de l'équipe Arras Skip Capital. Coureur australien, hein, il faut le rappeler. On se rappelle ils aussi conduisent pas à gauche les Australiens. Ben pourtant, non. Oui. Ils sont plus que deux. D'ailleurs. Et du coup, ils sont deux à la poursuite. Deux donc coureurs amateurs qui donnent tout. Théo Thomas et Julien Marin. Julien Marin qui n'en peut plus forcément après tous les efforts consentis depuis le début de l'étape. Et ça va être trop juste pour revenir, à moins que vraiment on se marque. Et c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs du côté de la tête. Donc le seul coureur qui soit revenu du peloton sur les échappées, c'est Théo Thomas finalement. Oui. Le coureur du vélo et club l'attaque de Rebedonche. Alastair McKellar qui ne se laisse pas surprendre. La flamme rouge de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Rebedont qui tente le tout pour le tout. McKellar qui va se faire emmener dans un fauteuil. C'est lui a priori le plus rapide sur le papier du moins. Ouais. Pour l'équipe Hagens Bermans. Mais en tout cas, Roras est assez malin. Hein. Regardez bien, effectivement, il ne prend aucun relais. Aucun relais. Il refuse. Ouais. Il refuse de relayer. Et donc, on va en remettre une. Là, on va virer sur la gauche pour passer donc, en dessous de l'autoroute A7 et rejoindre donc,
cette belle ligne d'arrivée ici à Roussillon sur une grande place. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, qu'on arrive sur une place. Les 500 mètres. Nous sommes là, ouais, dans les 500 derniers mètres. Dont il n'est pas serein. Il n'est pas serein du tout. Ah, c'est, ils sont juste au fond, hein, les, ouais, les autres. Oh là avec là, ça le retour de trois coureurs, mais ça va être entre les trois. À l'avant, il y a Lester McKellar, hein, qui va virer en tête Rebedonte, qui revient fort Rebedonte pour la victoire belge. Le Chilien Vincente Roras qui remonte. Ils sont trois sur la même ligne. Lester McKellar qui s'impose. Roras devrait être deuxième. Troisième place de Rebedonte. Et derrière, on avait toujours en fait un groupe avec Théo Thomas. J'ai l'impression, Vincent Baudet, on les avait perdus de vue. Mais ils étaient bien là. Alors que le sprint du peloton qui arrive juste derrière avec les principaux favoris. Et le sprint du peloton qui va être réglé, je crois, par Marcus Payour qui croit avoir gagné, mais non. Ah là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur. Il lève les bras, mais non, il y avait encore du monde devant. Peloton qui termine seulement à 30 secondes. Hein. Oui, finalement, les écarts, là encore, sont très, très faibles, hein, franchement. Mais bravo à cette échappée, alors qu'Alester McKellar donc, s'impose. La deuxième place de Vincente Roras, c'est la troisième de Rebedonte. Ça, et c'est un Australien qui gagne là, Alester McKellar, le coureur de la Hagens Berman. Drôle de finale, mais en tout cas, l'échappée est récompensée avec le succès. Pour l'Australien, Alastair McKellar. Deuxième place pour Vincente Roras. Troisième pour Rebedonte. Et derrière, donc, ce groupe qu'on avait perdu de vue, mais qui était bien là. Avec la quatrième place, je crois, de Victor Jean. Et peut-être bien la cinquième de Mathis Lebeau. Finalement. Alors, Mathis Lebeau qui, lui, est annoncé quatrième. Victor Jean serait cinquième. Vincent Baudet, sixième. C'est donc les rescapés de l'échappée. Ça veut dire que régré par Marcus Payour. Lorenzo Conforti est 8e. Théo Thomas est finalement 9e. Sixième du jour. Du côté d'Axel Merckx, on doit être particulièrement heureux de cette victoire d'Alester McKellar. Je rappelle, il était au taux de départ, 35e à 1 minute. Et du coup, c'était pas forcément l'objectif du jour. En général, il va remonter. Oui, bien sûr, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a sur la ligne d'arrivée 10 secondes de bonification au vainqueur de l'étape. Remonter au classement général. Et c'est tant mieux. Donc,
cinquième et dernier. Étape de cet Alpizer Tour. Et dit qu'il fixe le 1er janvier comme date du début de l'année. Roussillon est un canton trop important en Isère, puisque nous avons sur le secteur quelques producteurs agricoles et l'industrie de la vallée du Rhône. Roussillon est aussi une ville accueillante et à ce titre accueillera le tour Alpizer cette année. Roussillon a toujours été une ville transportive et aujourd'hui de nombreuses associations sont performantes et notamment les équipes sportives de foot et autres. Nous sommes heureux d'accueillir Alpizer Tour cette année et nous espérons qu'il reviendra dans les années futures. Et bien voilà, nous sommes de retour en direct ici à Roussillon avec le vainqueur du jour, Alastair McKellar, qui apporte le succès à l'équipe à Gensbermans. Alastair, congratulations. Did you really think when you started this breakaway that you could win this stage? Quand tu es parti en échappée, est-ce que tu pensais vraiment qu'elle irait au bout et que tu allais pouvoir jouer la gagne? I was really unsure. I mean, the breakaway the last three days has gotten really close. Within the last few kilometers, and even the first day within the last few hundred meters. But today I knew that everyone was going to be more tired from, the last few days. Everyone's used a lot of firepower, and especially with the break being so hard to go today, a lot of people wanted to be in the move. And it was a super hard first hour. But when I saw the gap wasn't coming down as quick as I thought it would have been.
Oui, il nous disait que c'était pas sûr du tout, effectivement, qu'on avait vu les jours d'avant l'échappée se faire reprendre dans les derniers kilomètres. Aujourd'hui, l'étape était quand même très différente, il y avait beaucoup plus de difficultés et ça a beaucoup bataillé pour aller chercher cette échappée. Beaucoup de garçons voulaient être dans ce gros groupe en tête. Et puis finalement, lorsqu'il a vu l'écart à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, que celui-ci ne baissait pas considérablement, on a commencé à y croire et puis ça l'a fait. You were very strong in the last climb, but was difficult to continue with seven riders. We saw you on the images, quite discussions, but at the end, that was the strongest is winning. That was you, the strongest rider. Là, on a vu que ça avait été compliqué d'évoluer tous les sets avec beaucoup de discussions dans le final. Puis finalement, dans la dernière montée, c'était vraiment toi le plus fort. T'étais le plus fort aujourd'hui. Yeah, I mean, it was one of those days. Actually, I felt really bad to start with and didn't think I was going to be able to try and make the break. And then as the day went on, my legs got better and better. And yeah, I was actually quite surprised with how good I was feeling into the bottom of the climb. And I thought, just why not go all in with an attack from the bottom. And the rest of the guys in the breakaway were super strong. The DSM, Bardiana rider, like, they was super strong. And I knew if we could just cooperate to the line that I would just give it my try in the sprint. And I mean, lucky it paid off. Il nous dit que curieusement, il ne se sentait pas forcément super bien en cours d'étape, qu'il n'avait pas les meilleures jambes. Et puis que curieusement, bon, d'aborder cette dernière ascension, il se sentait un petit peu mieux. Il y avait beaucoup d'excellents coureurs. Il a eu très peur du côté de Robedon, notamment le coureur de la formation DSM. Et puis finalement, sur le sprint, il a fallu tout donner et ça l'a fait. What are the plans for tomorrow for your team? So you can be great and glad of this victory. But tomorrow is another day, maybe in the breakaway, another day for you. Demain, un autre jour, peut-être une nouvelle échappée pour toi ou quelqu'un de ton équipe. Yeah, I mean, tomorrow, everyone knows what's coming tomorrow. It's definitely the hardest day of the tour. Yeah, I think it'll be a very hard day. Maybe I'm not tiny enough to follow those guys up the mountains, but for sure I'm going to give it a crack. We've got a few strong climbers in the team, so we can play our cards with them. But sure, maybe get up the road again. We'll definitely try and put someone up there. But yeah, we've got a strong team and we have plenty of options. Oui, il dit qu'effectivement, demain, tout le monde a un petit peu peur de cette étape, qui sera peut-être pas le mieux armé justement dans l'équipe pour aller chercher à nouveau le leadership, mais qu'ils ont d'autres excellents grimpeurs dans l'équipe et qui vont tout faire en tout cas pour bien figurer. Thank you very much, Alastair. Congratulations. Merci à lui. Félicitations au coureur australien. You can join your assistant. Il peut rejoindre ses assistants. Et puis la cérémonie protocolaire, évidemment, qui va suivre. Victoire australienne aujourd'hui sur l'Alpizer Tour. Il s'impose avec les couleurs de l'équipe à Gunsberg. Pour la première fois de la semaine, l'échappée est récompensée. Il s'impose aujourd'hui devant Vicente Rojas qui vient prendre la deuxième place de l'étape. Robedont vient chercher la troisième position. Retrouver ensuite des garçons comme Victor Jean, Mathis Lebeau, rescapé de l'échappée, tout comme Vincent Baudet. Le sprint du peloton a été lui réglé par Marcus Payour. Pas de changement au classement général. Le maillot jaune va rester sur les épaules de Kilian Verschuren. Il n'a qu'une petite seconde d'avance sur Jarno Vidar, c'est dire. Ce qui nous attend demain entre le cœur de Chartreuse et le massif de Loisan, avec l'enchaînement des cols, col de Porte, col de la Morte, col d'Ornon, le pas de la Confession sur les pentes de l'Alpe d'Huez. C'est le programme de demain. Nous serons en direct à partir de 14h50 pour vivre ensemble le final de l'étape. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour ceux qui viennent à Saint-Pierre-d'Entremont. Départ 11h30. Merci à tous.